Salut tout le monde, c'est Louis. 5, 4, 3, 2, 1. Premièrement, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les sneakers. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé de sneakers. Genre réellement en mode wishlist, en mode je vous parle de ça, de collaboration, de ceci, de cela, de nouvelles sorties, de ce qui va sortir prochainement, de machin. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire ça. Évidemment, c'est le confinement pour tout le monde. Donc, je me suis dit que j'allais reprendre mon rythme de vidéo de une vidéo par semaine tous les dimanches à 16h. Mais aussi en parallèle, être actif sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok, Snapchat. Enfin, bref, je voulais tout simplement vous occuper, voilà. Donc on va s'occuper ensemble avec cette vidéo et sur les réseaux sociaux, c'est important. J'ai choisi 8 paires, ma foi, très jolies. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et si vous n'êtes pas intéressé, eh bien on se retrouve la semaine prochaine ou sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, évidemment. Ne regardez pas si vous aimez pas, voilà, c'est pour mettre un commentaire. Ne regardez pas, parce que va y avoir des paires chères, des paires moins chères, des paires abordables, des paires non abordables. Donc moi je veux pas de conflit, je veux qu'on soit ensemble, mais que ce soit cool, courtois. Évidemment, nous allons tout de suite commencer. C'est parti. Alors la première paire de chaussures est la Nike Air Zoom Spiridon Cage 2. Le prix retail est de 140€ et donc le nom du coloris est Pistachio Frost ou Pistachio Frost. Je sais pas trop en fait, mais je crois que c'est italien, donc c'est Pistachio. Parce que bon, j'ai fait LV2 italien, enfin LV3 italien. Donc je m'y connais un peu, je veux pas faire le mec, hein, mais bon, je pèse un peu quand même. Alors évidemment, je sais que cette paire va pas plaire à tout le monde parce que c'est une paire qui est assez volumineuse, qui est colorée. Enfin, genre il y a du vert, donc c'est qu'une couleur en soi. Mais il y a aussi sur la semelle un espèce de jaune, vert, je sais pas comment dire ça, mais c'est un jaune pas jaune jaune. Pour ceux qui connaissent ma chaîne et pour ceux qui me connaissent, c'est totalement le genre de paire que je vais porter parce que c'est des paires qui sont assez épaisses, une grosse semelle. Je fais du 44,5 et j'aime bien quand je marche, tu sais, genre je sens que tu vois ça tape contre le sol. Genre évidemment, il y a plein de coloris, il y a du jaune, il y a du gris, il y a du rouge, mais c'est vraiment ce coloris là qui m'a tapé dans l'œil parce que c'est du vert. Comme vous le savez, le vert c'est ma couleur préférée et je sais pas, c'est un vert assez doux. Le swoosh est très joliment mis en valeur, je trouve. Il y a un mélange de matière. Je trouve que cette paire c'est vraiment une paire originale en soi qui passe bien, mais aussi qui peut passer partout. Évidemment, pas n'importe quelle couleur parce que sinon tu ressembleras à un clown. Enfin, après, si tu veux ressembler à un clown, il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Mais vraiment, cette paire, elle est incroyable. Par contre, le bémol, c'est que je me suis pas forcément renseigné sur la disponibilité des paires. Donc, je ne sais pas si elle est trouvable facilement ou introuvable. Mais en tout cas, n'hésitez pas à voir dans la barre d'infos si je l'ai mis un lien. Alors ensuite, c'est le même modèle, mais il y a aussi une collaboration avec Stussy. Donc, c'est la Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 Stussy Fossil. Et il y a deux coloris. Enfin, en fait, il y a plusieurs coloris dans cette collaboration. C'est pas encore sorti, ça sort au printemps. Mais il y a vraiment deux coloris qui sont sortis. Pour l'instant, c'est mes préférés. Je les trouve incroyables. Donc, il y a un coloris crème, un coloris métallique noir. Je sais pas trop comment ça s'appelle parce que le nom n'est pas sorti. Le prix retail est à 160€, mais c'est pas encore sûr. Voilà, c'est des petits trucs qui fuitent. Mais on sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ce que j'aime dans la crème, c'est évidemment les matières un peu différentes, mais surtout, je trouve qu'il y a un côté genre un peu plage. Pour moi, si cette paire était un élément, enfin, ou un élément en soi, ce serait du sable. Voilà, donc tout simplement, c'est pas un élément du sable, hein. Après, c'est vrai que même si la paire est assez classique, enfin, du moins le coloris, c'est pas forcément une couleur sur laquelle je vais partir en premier. J'ai aucune paire crème, je crois, ou je crois que la seule paire crème c'était Adidas, je me rappelle plus du modèle, et je crois que j'ai jamais mise. Est-ce que je la mettrais? Je ne pense pas, mais rien que pour la beauté de la paire, je vous la présente parce qu'elle est incroyable. Et évidemment, le petit swoosh noir qui vient juste finir la paire, c'est pas du bam, mais c'est du. Par contre, pour ce coloris là, je serais prêt à vendre un rein, mon foie, tout ce qu'il faut, le genou, le pied. Je la trouve vraiment très très jolie. Je veux l'avoir. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec l'argenté, mais ma dernière paire que j'ai acheté, c'est la P6000 en metallic silver. L'argenté en ce moment, et vous allez voir dans la vidéo, c'est vraiment beaucoup. Voilà, j'ai que ça dans ma wishlist. S'il y a un sugar daddy qui passe par là et qui veut des photos de mes pieds, il n'y a pas de souci. Je vous les envoie. Faites-moi des PayPal. C'est avec plaisir. En tout cas, je pense que la collaboration entre Stussy et Nike, j'aurai pas de coloris parce que ce sera trop cher. Mais il est sûr et certain que j'aurai un coloris de cette paire. Voilà, il y a moyen que je sois découvert à cause de ça. Mais je vais en acheter une incessamment sous peu quand je trouverai le coloris disponible. Mais pour l'instant, le pistachio là, je le veux. Alors ensuite, la prochaine paire, c'est une collaboration entre Aimé Léon Doré et New Balance pour une 827 Absorb. Et c'est un pack de 3 coloris. Évidemment, moi, le coloris que je préfère, c'est le blanc. Mais bon, on va voir en détail chaque coloris. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas perdus, je suis là. Le prix retail est à 150€, ce qui doit faire du 140€ à peu près, je crois. Alors là, c'est une paire qui peut plus convenir à tout le monde parce que c'est une paire assez classique. En fait, je trouve que la paire, on dirait une Game Boy. Je sais pas si c'est l'inspiration. Vous savez, les Game Boy, je pense que vous voyez ce que je veux. C'est les petits...
jouer. Pour être honnête, mon cœur balance entre la blanche et la rouge, mais je pense que si je devais en prendre une, ce serait la blanche. Je peux la mettre un peu plus avec tout, alors que le rouge, tout de suite, ça devient un peu plus chiant au niveau des couleurs. Mais c'est en tout cas, je trouve une collaboration assez réussie. Il y a un peu une inspiration rétro, inspiration genre à l'ancienne. Les couleurs sont très mignonnes, c'est les couleurs primaires en fait en soi. C'est une paire simple au premier abord, mais il y a différentes matières, différents coloris. Moi, j'aime bien. Je parle grave comme si j'avais des sous sur mon compte, alors que quand je paye mon loyer, j'ai clairement plus d'argent pour finir le mois. Donc bon, clairement, à part les All Free Prix, vous allez pas voir grand chose sur ma chaîne parce que je n'ai pas d'argent pour l'instant. Là, je suis à Paris et Paris, c'est cher. c'est très cher même. Alors ensuite, la fameuse collaboration entre Sakai et Nike pour la LD Waffle. Ces deux paires sont incroyables. Le prix retail est à 160€. Elle est sortie le 10 mars, évidemment. Elle est sortie en quantité limitée. Donc maintenant, les prix s'affolent. Mais c'est pas grave. C'est une paire que je trouve très jolie. Originale pour le coup, dans sa shape plutôt, parce qu'elle est assez... Genre elle est présente quoi. Si je devais vraiment me tourner sur une paire, ce serait la blanche. Je sais pas pourquoi, parce que généralement je suis pas très blanc pour les sneakers. La différence de matière, évidemment la grosse semelle, la double languette, le double swoosh. En fait c'est excentrique, mais c'est fait tellement bien que c'est joli. Je peux clairement me tromper, mais je crois qu'il y a eu 2 ou 3 voire plus de coloris. C'est des paires qu'on a énormément vues sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, etc. Mais je trouve que c'est une paire qui est très... Après, si je devais vraiment prendre une paire, ce serait une colorée, parce que les colorées, je les trouve quand même un peu plus je sais pas, elles ont plus de charisme. Elle est incroyable. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Après, clairement, je fais du 44,5, donc je pense que si je mettais la paire, on pourrait dire que j'ai un paquebot au pied, mais je m'en fous parce que la paire est tellement belle. Malheureusement, les prix se sont envolés. Ce n'est plus du 160€, c'est maintenant bien plus en resell. Donc, je pense que je n'aurai jamais cette paire, mais rien pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de la regarder. Mais en tout cas, cette paire est un très très gros favori pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça, mais c'est une merveille. Alors ensuite, on passe à la Nike P6000 pré-retail 100€, et c'est le coloris Metallic Silver Team Royal. Alors, je pose mon téléphone carrément pour vous en parler. La Nike P6000, c'est le favori de l'année 2020. Je l'adore, cette paire est incroyable. Je l'ai prise en Metallic Silver, vous pouvez la voir sur mon Instagram. Et je pense que je vous ferai un petit haul où je vous la montrerai. Elle est extrêmement jolie, les coloris sont mais tellement diversifiés. T'as des coloris argentés, t'as du métallique, t'as de la couleur. Cette paire est folle. Ce coloris, je l'ai vu à Shinzo. Bon, peut-être que là, en vidéo, il rend pas forcément. Mais en vrai, la paire claque. Genre vraiment, elle est tellement belle. Ce bleu un petit peu foncé là, il est très très beau. Et la paire coûte uniquement, enfin entre guillemets, uniquement 100€. Je pense clairement que mon prochain achat sera cette paire, enfin en tout cas en termes de sneakers. On n'a qu'à prendre tout mon argent, prendre mon âme. Si je peux avoir cette paire au pied, je la veux. De toute façon, soyons honnêtes, dès que le confinement est fini, je m'en vais chez Shinzo où je vous regarde sur internet et je achète cette paire. Je achète. Bref, on passe. En fait, c'est l'émotion qui parle. Tellement cette paire, je l'aime, je veux. Je veux. Tout simplement, je veux, point. Alors ensuite, la dernière paire, c'est la paire de ASICS Gel Kayano 5360. Le prix retail, c'est à 170€. Et il y a deux coloris que j'ai beaucoup aimé. Il y a un coloris pour femme, donc c'est le Piedmont Grey. Et il y a un coloris pour homme, c'est le Sheet Rock Silver. Mais le coloris pour femme va jusqu'au 44,5. Donc en soi, moi je fais du 44,5, donc je peux la prendre. Après, est-ce qu'avec le prix, je pourrais la prendre dans les mois qui suivent? Je ne sais pas. Mais si jamais je deviens riche entre temps, je la prends. Enfin, je prends même les deux, soyons fous. Écoutez, si on est riche, on peut faire ce qu'on veut. Encore une fois, je vous ai prévenu, on est sur de l'argenté, du métallique. Et vraiment, le coloris pour femme, ce petit vert bleu, enfin vert pastel, avec l'argenté, la semelle, c'est magique. J'ai envie de dormir avec, j'ai envie de mourir avec. Pourtant, je suis pas forcément ASICS de base, mais quand je suis passé à Stadium et que j'ai vu ces deux paires, enfin, c'est la même paire en fait, quand j'ai vu ces deux coloris, je me suis dit... Sans la carte, on fait un chèque, sans provision, on s'en fout, tant qu'on a la paire, c'est pas grave. N'a qu'à venir les huissiers, je vous ouvre, prenez tout ce que vous voulez, tant que j'ai la paire, moi ça me va. Si un jour j'ai de l'argent, je la prendrai, c'est sûr. Mais après, faut peut-être que je me calme avec l'argenté, parce que là j'ai beaucoup de paires argentées maintenant. Enfin, en tout cas dans ma wishlist, et j'ai quand même déjà une paire argentée. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette paire. C'est pas forcément mon favori de la vidéo, parce que bon, il y a les P6000, il y a les Sakai, il y a la New Balance, etc. Mais celle-ci, je le trouve qu'elle a le petit truc. Il y a aussi entre guillemets un petit côté rétro là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer votre argent pour que j'achète. Écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux, en priorité quand même Instagram. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des paires et n'hésitez pas à dire ce que vous voulez là-dessus. Moi, j'accepte la critique, donc n'hésitez pas à dire qu'elles sont moches, qu'elles sont belles. Et aussi, dites-moi les paires que vous avez en vue. Genre, dites-moi, disons, genre 3 paires que vous avez en vue. En tout cas, courage pour le confinement, on est ensemble. Je suis là, je vais vous produire du contenu sur les réseaux, sur YouTube et voilà, on ne va pas se lâcher. N'hésitez pas à regarder mes vidéos, mes anciennes vidéos, donnez-moi de l'argent. Bref, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 16h. Salut! Could be a little bit more upfront. Way the situation how you want. The loving that you claim is just a four-letter word. The third letter's enlightened, so visualize the curve. You curved on me.